artiste, ouais, il n'a pas de masque. Oui, je procède à l'arrestation. Très bien. Calmez-vous, monsieur. Voilà, j'ai besoin. Calmez-vous. Pourquoi vous ne portez pas de masque? Est-ce que vous rendez compte? Écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Voilà, nous sommes en crise. Je ne veux pas savoir. Vous êtes assis toute seule à Saint-Parc. D'accord. Et vous avez pensé aux écureuils. Si les écureuils attrapent le Covid. Eh oui, nous on pense aux animaux aussi. Eh ouais, mais les pauvres écureuils, ils ont rien demandé. T'as quand t'as un petit écureuil qui monte sur toi, là, tu craches la gueule, hop. Il va contaminer toute sa famille et paf. He's dead. Non, non, écoutez. On va parler de l'arrestation. Ah ben madame, c'est 135 euros d'amende. Ah ben monsieur, écoutez. Je veux pas savoir. C'est pas mon problème. Moi j'ai un masque. Ah oui. Ah mais ça c'est catégorie. Vous voulez pas payer? Vous ne voulez pas payer? Je ne voulais pas en arriver là. Mais vous ne me laissez pas trop le choix. Dommage pour vous. Je suis désolé pour vous. Est-ce que vous voulez un deuxième confinement peut-être? Non, je crois pas. Je crois pas. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est que. Pardon, ça gratte. Ah. Voilà, c'est possible de. Si vous refusez de payer, ça va monter à 160 euros d'amende. Ah, mais écoutez, moi je ne fais que mon métier. Écoutez, vous croyez vraiment que ça m'a gêné d'être là? Non, pas du tout. Par contre, si vous mettez un masque, à la limite. Pas 135 euros d'amende. Je dis bien à la limite. Parce que. Ah ouais, non, mais c'est pas fou ce qu'on fait. Ah non. Écoutez, c'est une question de sécurité. D'accord? De citoyenneté. Si personne met le masque, mais où on va? C'est quoi ça? C'est l'escalade de la violence? Non, excusez-moi. Non, voilà, c'est très important. L'hygiène. D'accord. Et puis surtout la qualité des citoyens. Vous comprenez bien que si personne met de masque, ça va être quoi la prochaine étape? Personne ne va se dire bonjour dans la rue. Et puis quoi après? Personne ne va se regarder dans les yeux. Et puis quoi après? S'il y en a qui vont se regarder dans les yeux, ils vont se battre. Ah c'est bon, il faut arrêter. Hein. Non, il faut respecter, comme on dit. Il faut donner à César ce qui appartient à Bob Marley. Respectez un petit peu ce qu'il faut. Et puis on sera copains, d'accord? Donc, il me faudrait une pièce d'identité. S'il vous plaît. Comment ça, vous n'avez pas de pièce d'identité? Attends, vous allez me dire que vous venez toute seule ou tout seul dans un parc sans votre pièce d'identité? Ok. Alors, s'il vous plaît, il me faudrait au moins un justificatif de domicile qui date d'au moins 3 mois. S'il vous plaît. Allez, vous voulez me faire croire que vous venez dans un parc, vous reposez, sans votre papier de justification de domicile qui date d'il y a moins de 3 mois. Écoutez, il y a marqué quoi là? Il y a pas marqué con. Ah non, oui. Il y a marqué sécurité. D'accord. Vous n'avez aucun papier sur vous. Vous n'avez pas de masque. Si vous avez un masque, allez-y, mettez-le. Mettez-le, s'il vous plaît. Je vais mettre le mien aussi. À cause de vous, je fais des bêtises aussi. C'est une écharpe, ça, madame. Monsieur, je sais pas. C'est une écharpe. Ça compte. Bien sûr. Ah, écoutez. Nous, ce qu'on veut, c'est que la bouche ne soit pas exposée. Si vous êtes comme ça, c'est bon.
c'est bon. Hop, c'est en train de synchro demande. Hop, rien du tout. Hop, c'est en train de synchro demande. Rien du tout. Ah, donc c'est important de savoir ça, d'accord, c'est un peu les lois. Bien sûr. Écoutez, moi je ne fais que respecter l'ordre, la discipline. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi une arme? C'est pour combattre le virus. Combattre le virus, arme. Je voulais pas faire sécurité, je voulais faire humoriste. Faites attention quand même, parce qu'il y a pas mal de virus qui traînent, d'accord. Sinon... C'est un panier. Oula, non, c'est pas un couteau. Ah non, non. Je ne porte... Je ne porte jamais de couteau sur moi, c'est... Non, non. C'est trop dangereux. Un couteau, ça pique et tout. Non. Non, les couteaux, je trouve ça un peu violent, déjà. Un peu violent. Et un peu dangereux aussi. Parce que c'est quand même vachement dangereux, le couteau. Oh, des gants de larves. Vous parlez avec votre pote et puis le coup, bam. Ah, c'est hyper dangereux, un couteau, c'est jamais... À part pour, à la limite, couper le saucisson, à la limite. Mais sinon, c'est très dangereux, un couteau. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Oui. Non. Bien sûr, bah écoutez, restez vigilants. D'accord. Parce que le Covid, il vous guette. Il vous guette, le Covid. Hier soir, je marchais dans une rue. J'ai vu le Covid. Il m'a fait coucou. Faites très attention à vous. Un coup, t'es là. Un coup, t'es plus là. Oui, non, des fois, quand je fais ça, j'ai la tête qui bouge tout seul. Faites attention à vous. Et à vos proches, d'accord. Ah mais nous, on le porte toute la journée, le Covid. Toute la journée. Ah mais des fois ça gratte, ah oui non monsieur. Fait que toute la journée, à partir de 9h30, à 11h30 on arrête, on reprend à 15h, on termine à 16h. Ouais, toute la journée, ah ouais, de ouf, de ouf. Ah oui non mais c'est compliqué. Ah non mais c'est hyper compliqué, en plus la charnière là, elle fait mal au nez. On a du mal à respirer, ah non mais nous on vit une dure journée, très très dure. Ah oui, vous vous rendez pas compte, toute la journée à masque. Ah, je trouve la technique. Faites attention, avec les règles sanitaires, je suis papa de deux enfants, un garçon et une fille, Jackie et Michel, ouais. C'est que moi, je prends des précautions haut de gamme. Ah oui, c'est-à-dire que même leur peluche, j'ai fait attention. Coronavirus. Hop. Tac. Ok. On n'est jamais trop prudent, d'accord. Si Winnie l'ourson commence à tousser sur mon fils, ça va pas le faire. Bah, c'est pour ça que... Hop. Paf. Dans sa gueule. Bref. Non, on va faire doucement avec... Ah oui, faut prendre des précautions. Tout ce qui a une bouche, on couvre. Voilà, très bien. C'est une aigle d'or. Bien sûr. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Attention, prochaine fois que je vous vois, c'est verbalisation. Direct. Direct. Très bien. Bonne journée. Et puis ce soir, vous êtes favorable. Allez, bon. C'est bon, c'est bon.